Samedi soir, le centre de secours de Carcassonne a fêté la Sainte-Barbe, cérémonie au cours de laquelle plusieurs sapeurs-pompiers ont été décorés. Une année difficile et marquante pour les soldats du feu qui ont été sollicités comme jamais. Une année 2018 marquante avec deux événements majeurs. Tout d'abord le vendredi 23 mars où un terroriste a semé le trouble dans les villes de Carcassonne et de Trèbes. Et aux trois sites qui ont été perturbés par ce terroriste, les sapeurs-pompiers carcassonnais étaient présents. Le début d'année avait été également marqué par cet accident au dépotage au complexe sportif de Grazaille, qui avait émis un gaz toxique et incommodé une centaine d'enfants qui ont tous été vus par les sapeurs-pompiers. Et fort heureusement, une quinzaine seulement avait dû être transportée vers un centre hospitalier. Depuis le début de l'année, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Carcassonne auront effectué 7432 interventions, soit près de 600 de plus qu'en 2017.